Hey, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Légende Pokémon Arceus. J'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, nous sommes laissés après avoir fait des missions pour pouvoir monter deux rangs, tout simplement, monter rang 4 étoiles. Et voilà, j'ai enfin fini de compléter quelques missions. Pas toutes les missions, évidemment, mais j'ai fait quelques missions et du coup, j'ai obtenu assez de points pour passer membre 4 étoiles. C'était long. J'ai pas eu beaucoup de temps. Du coup, c'est normal que ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de farmer ça en fait. Hein. C'est long l'émission. C'est bon, c'est pas ce qu'il y a de plus foufou, faire des missions Pokédex. Hein. Donc concrètement, c'est taper des monstres, je vais dire des Pokémon 3 fois, capturer 3 fois le même Pokémon, etc., etc., etc. Et donc, j'ai réussi à le faire, heureusement. Là, à l'instant, c'est pour ça que je vous retrouve avec cet écran-là, parce qu'en fait, tout simplement, j'étais en train de faire quelques missions et j'attendais de pouvoir lancer. En fait, je voulais pas lancer l'épisode tant que j'avais pas fini au moins ça pour pouvoir continuer la suite, puisque on doit aller taper un électrode qui électrode ou Voltorb ? Non, électrode, je crois. Oui, un électrode qui est devenu colère, donc un gardien, tout ça, machin, qu'on va aller taper, tout simplement. Calmer, mais bon, du coup, qui dit calmer dit taper, forcément. Et ensuite, et eh bien, donc dans une autre zone, donc on va aller checker ça. Je vais juste, voilà, je vais valider avec vous. Promotion rang supérieur, n'oublie pas de faire. Ouais, à Selena. Que veux-tu faire maintenant? On va continuer les recherches parce qu'en fait, voilà, je vais quand même vous montrer. Du coup, je suis passé derrière ici. Je suis passé derrière. Il y avait encore quelques petits trucs. J'avais pas visité. Du coup, j'ai pu voir j'ai pu trouver quelques petites flammes. Il m'en reste 4 ici dans la zone. Alors, je ne sais pas où elles sont. Faudrait que je repasse, hein, mais au pire, ça, je le ferai en off. C'est pas un souci, mais voilà. Il m'en reste 4 dans la zone. Donc, faudrait que je check ça un coup. On les voit mieux de nuit, hein, évidemment. J'ai envie de dire que la nuit arrive bientôt. Donc, est-ce que j'attendrai pas plutôt la nuit? Pourquoi pas? Au pire, je peux le faire avec vous. J'aimerais bien vous montrer un autre truc. Il y a une zone que j'ai pas visitée et que j'aimerais checker aussi avec vous. Donc, on va faire ça avant de retrouver Selena et d'aller vers la suite. J'ai quand même envie de checker ça avec vous. Je voulais voir avec vous, hein, parce que c'était des zones qu'on peut pas atteindre avant, que maintenant on peut atteindre, qu'on peut aller sur l'eau. Donc j'aimerais bien voir ça avec vous. J'ai capturé aussi quelques Pokémon. J'ai tapé des Pokémon Baron. J'ai capturé quelques petits Pokémon Baron aussi. Enfin, j'ai réussi à en faire. Voilà, j'ai fait quelques trucs en off, donc c'était pas ce qu'il y avait de plus plus waouh à voir en vidéo, hein. Voilà, vous connaissez le jeu parce que je sais que voilà, vous l'avez fait de votre côté, hein, donc c'est pas non plus les trucs que vous ne connaissez pas, hein. Vous connaissez déjà ces trucs là mais voilà, je voulais quand même moi aussi avancer de mon côté parce que c'est vrai que c'est assez long. Alors là, on peut pas aller où est-ce que ça peut être les trucs qui manquent. Je ne sais pas. Tiens, je suis par là, toi. Pas un peu de plus. Ah, mais c'est elle qui... Ah non, c'est l'autre. Ça veut dire que tu es à chercher alors que t'as même pas été fichu de me remarquer. Ok. Donc elle affronte à chaque fois comme l'autre. Mais c'est pas la même, je crois. Je vais faire les trois... Bah écoutez, apparemment, je crois que les trois vont me... On me tomber dessus. Ou je vais tomber sur les trois à chaque fois. Ok. Ah mais là t'es de la merde, hein, parce que là concrètement je te fais ça, ton bizarre roi il va prendre cher. Ouais, voilà. D'ailleurs nos petits pokés ils vont... Parce que là j'ai un peu monté de niveau aussi, donc voilà, c'est cool. Je suis dans les niveaux presque 40. À 43 pour Eturaptor et pour Furisson. J'ai rajouté Kadinos parce que j'aimerais bien avoir un Arcanin quand même. Même si j'ai déjà un type feu, bon, je voulais avoir un Arcanin. Je crois pas, tu m'as encore battu. Jean. Un tout de ça, quelque chose. Ok. Écoutez, elle me poursuit. Hein. Ok. Ouais.
Ah, oui, pardon monsieur, pardon. Non mais je ne veux pas rester hein. Je ne veux pas rester. J'aimerais juste... Alors des fois, vous savez, j'arrive à gruger comme ça, à sauter et j'arrive à sauter sur des endroits peut-être inatteignables. Je voulais quand même chercher la dernière petite flamme. Où est-ce qu'elle peut être? J'aimerais bien quand même la trouver... Enfin non, pas la dernière. Il en reste 4, mais... bon, 4 ça va être un peu long à trouver. On va avancer plutôt. Je vais quand même un peu me soigner. Est-ce que je peux confectionner des trucs parce que là j'ai plus de super bol en fait. Il me manque quoi? Ouais, il manque des galets, des fragments de fer. Au pire j'en achèterai... Ah oui, c'est vrai. Allez. Oui, merci. Ouais. Je vais y aller tout seul. Allez, allez, allez. Oui, je vais retourner à ressusciter. J'aimerais bien acheter des bidules, quand même. Ah non, mais je voulais... Bon, au pire, j'irai voir la truc après la zone que je voulais voir. C'est vrai, j'ai zappé. Toi. Je vais en acheter, hein. Je peux en trouver, mais... J'ai la flemme. Ça, il m'en faut genre plein. Qui est plus cher. Allez, voilà. On va faire des Pokéballs aussi. C'est toujours intéressant d'en faire. Bombe aveuglante. Ouais, bon, on s'en fout. Allez, go. On va voir monsieur. On va passer rang 4. C'est cool. Enfin. Et il y a beaucoup de rangs, donc ça va être chaud. D'ailleurs, j'ai un peu augmenté ma capacité de ma sacoche. En fait, c'est lui. Voilà. Tout simplement, hein, mais je l'avais pas vu. Je ne le voyais jamais. Coco. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Oui, enfin. Je suis même pas à la moitié. Oui, vous pouvez à présent utiliser des méga mass balls. Ah, c'est bien. Jusqu'au niveau 50, vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Prends ceci. On a une méthode qui permet de confectionner des objets. Méga mass ball. Une agrume, un fragment de fer et un galet noir. Hyper potion. Ah, ça c'est cool. Ok. Contrefort couronné. À une certaine personne pour tes recherches sur cette électrode. Commence par te rendre au dojo. Ok. Ça marche, mon petit pote. Par contre. Ouais, on va aller déjà. Là. Je peux encore. Non, je peux pas en confectionner mes méga mass balls. Galet noir, t'en vends? Ah ouais, j'en ai pas. Ouah, j'utilise l'argent de toute façon. L'argent, c'est fait pour être dépensé. Faut des agrumes et des fragments de fer. Alors, les noix agrumes. Mais attendez, je peux vendre des trucs, non? J'ai pas. Ça se vend pour peu d'argent. Peut être vendu à la boutique. Bah voilà. Mais attendez, je crois que même que... Est-ce que j'en ai là-dedans? Non, j'ai pas fait gaffe si j'en avais. Non, j'en ai pas. J'ai pas des trucs qui se vendent.
Est-ce que j'ai des trucs qui se vendent? Wow, il y a des trucs qui vaut cher, mais... Il y a des trucs qui valent cher, mais est-ce que ça se vend? Non. Pas l'impression qu'il y a des trucs... Non, j'ai rien d'autre qui se vend. Ou alors je suis aveugle. Non. Ok. Alors, mon petit pote. Voilà. Donc là, j'ai assez, on est d'accord? Non, mais la Mega Bass Ball. Fragment de fer, oui, c'est ça qui me manque. Voilà, acheter des fragments de fer. Allez. Ah, les fragments de fer, ça coûte cher. On va en faire 21 parce que je pense que j'en aurais besoin. S'ils m'ont donné les Mega Mass Balls, c'est pas pour rien, je pense. Parce qu'il y aura des gros Pokémon bien lourds. Ou pas. Coucou. Allez, on va parler à eux. Te voilà, Fulito. Je te présente Chamal. C'est le gardien de Farfurex. Il va vous nous conduire jusqu'à elle. Ok. Je vous prie de m'excuser pour ce matin, je ne me suis pas présenté, je m'appelle le Chamal. Ah bah c'est le gars qu'on avait pas que j'avais vu et que j'ai pas j'ai oublié de filmer. Voilà, il était apparu, bah du coup vous l'avez pas vu. Mais bah, du coup on le voit. Si vous souhaitez voir Electrode, vous allez avoir besoin de l'aide de Farfurex. Mais pour cela, il va tout d'abord falloir qu'elle reconnaisse cette valeur. Embarquer en toute sécurité pour le Mont Couronné. Départ imminent. Tu sais, Chamal est un peu comme toi. Bizarre. Il sait pas d'où il vient. En fait, il a perdu la mémoire. Mais j'ai l'intuition que si tu fais équipe avec lui, il parviendrait à se souvenir de quelque chose. Ok. Je compte sur toi, cette fois encore, Fulito. Okidoki, rendez-vous contrefort couronné. Oui. D'ailleurs, c'est plus rapide. Voilà. Alors le contrefort couronné, il est là-bas. Avant, je vais quand même aller ici parce que je voulais vous montrer la zone, la fameuse zone que je voulais voir avec vous et que voilà. Alors elle est où? Bah c'est ici le lac. Hein. En fait, on n'a pas visité tout ça, toute cette zone-là grisée. Et j'ai envie de visiter vite fait avec vous. Donc on va aller checker ça parce qu'il doit y avoir des Pokémon que j'ai pas vus encore. Par où faut... Oula, bah attendez, bah attends. Voilà, à côté, hein, c'est juste à côté. C'est juste à côté quand même. Donc là, c'est à droite. Allez, go. On fonce, j'ai envie de voir ce qu'il y a au milieu du lac. Voilà, il y a un lac. J'ai envie de voir ce qu'il y a au milieu. Forcément des trucs. Comment ça? Oula! Il est niveau combien lui? 64. Ok. Bon, déjà il y a des Pokémon. J'avais dit de faire des Super Balls en fait. Oui, non. Ok, bon. Alors déjà, il y a... d'accord. Lac Courage. Ah oui, mais c'est le lac... Oui, d'accord, oui, c'est le lac Courage. Ok. Donc il y a forcément des trucs ici. À part lui, il y aura forcément un truc. Un gros rocher comme ça au milieu. C'est bizarre ça, non? Ah. Sur la carte, il y a un truc ici, mais je vois rien. Donc il y a peut-être un truc par la suite, je ne sais pas. Bref.
Bref, on va pas passer 150 ans non plus là-dessus. On va bah aller là-bas. Déjà, il y a un Onyx. Et là, du coup, Onyx, techniquement, avec ma... Bah, elles sont mes balls. Et merde. Oui mais non. Rah. Fuck. Je ne vois plus. Je sais pas où sont mes bols. À mon avis, ils ont dû me les ranger. Fait chier. Je voulais mes bols. Mm-hmm. En contrebas, il y a des trucs. Là-bas, il y a une petite flamme. Je peux aller récupérer. Non. Oh, je suis tombé. Allez, saute. Hop. Il y en a une tout là-bas. Oui, bon, ben, tant pis. Hein. C'est loin. Ah. C'est vrai qu'il y avait un... Il y a un Togepi que je vais récupérer quand même. Un Spectrum. Que j'ai eu. Voilà, bravo. Ouais. On fait gaffe quand même. Tu veux me rejoindre, c'est ça? Voilà, nickel. Allez. Donc, du coup, le fameux Togetic là que je vois en haut. J'aimerais bien le... Il faut que je remonte, non? Attendez, il y avait quoi là? Ah mais je l'ai déjà lu, je crois. Allez, saute! Saute! Ah! Mais purée! Coco! J'aimerais bien être en hauteur. Voilà, mais ça... Ah, purée. Bon, je sais que c'est un peu... Techniquement pas possible. Alors, il y avait un Togetic. J'ai vu un Togetic. Il est où? Je crois qu'il est bien trop... trop haut pour moi. Tant pis. Des Yanma, ok. On s'en fout. Ouais, je vois plus Togetic ni d'autres choses. Oui.
encore la zone là-bas derrière. Et saute. Bon, je sais, techniquement, il est pas censé monter comme ça. Mais des fois, ça passe. Tant pis. Fuck. Bon, là, avec les armes, on voit absolument rien. C'est super. Bravo. Oh. Earth Siren. Mais d'où tu me vois? Franchement. Ah ouais, d'accord, tu... Oui, d'accord, tu me lâches pas, ok. Il est comme ça, d'accord. C'est bon. Il est où? Bon, ok, c'est bon. Tu me vois, du coup, on va pas y aller. Y'a quoi ici? Ah! Merde! Pas ça, je voulais lancer. Voilà, on a un tortipousse! Non, je pars. Je pars. Là, là, là. J'ai tout... J'ai l'impression que j'ai tout visité ici. Et... J'ai tout visité. Ok, bon. Je retourne... Là. Et on va aller au truc, là, mon couronné. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, mais... c'est chiant. C'est très chiant. Là, ici. Non, on est proche de la faille, là. Contrefort couronné. Bienvenue au contrefort couronné, plutôt. Qui dit montagne dit Pokémon de type proche et sol. Et ils sont nombreux dans les environs. Là-bas, juste au-dessus de la faille, c'est pas sous temporel, c'est le mont couronné. Je pense que la force magnétique qui se répand dans cette zone a un impact sur les Pokémon. Il me tarde d'aller explorer. Bah, moi aussi. J'ai réussi la montagne avec Chamal. Bon, on va y aller avec Chamallow. Chamal, je voulais dire. Si je voulais faire une blague. C'est un peu naze, mais bon. Alors, du coup, ici, on est d'accord. Il doit y avoir des Pokéis. On va en prendre, quand même. Hein. Je pense que qui va m'être utile. Oh. Ok, on en a déjà. La zone, elle est comment? Oh, la zone. Il y a beaucoup à explorer. Il y a vraiment beaucoup à explorer. D'accord. Bah d'accord. Ah, il passe pas. Trop gros. Ok. Eh ben, ça va être rigolo. Il y a beaucoup à explorer. Non, tu m'as... Non. Non, non, non. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a une flamme, on va récupérer la flamme. Je pourrais faire un méga plongeon si je veux. On va pas le faire hein, parce qu'on n'est pas... On n'est pas fou non plus. Hop. C'est quoi ça là-bas? Ah non, c'est... Ok. Bien, bien, bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de Pokémon de type sol. Hein. À moins que Luxray tout d'un coup est de type sol, mais j'ai pas connaissance que ce soit un type sol.
D'accord, ouais, bon, il y a de l'eau partout. Ici. Ok. Je pensais qu'il y a des trucs derrière les casse. Non, je crois pas. Alors, monsieur. L'électrode, qu'on appelle le roi des grottes, est légèrement différent de l'électrode dont je me rappelle dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Ils ont tout de même un point commun. Ils envoient tous deux des éclairs. Bravo. Alors, ne vous approchez pas trop, vous risquez de vous faire électrocuter très fort. Conseil, attraper un Pokémon immunisé contre la foudre. Pas facile, la tuer attention tous les jours. N'arrive point, jamais à l'heure, ouais. Je ne sais pas qui sont ces us âgés, mais en effet, la vie n'est pas facile pour personne. Quoi? Qu'avons-nous là, Chamal, le gardien du clan père et la demi-portion du groupe Galaxy? Si tu crois pouvoir rencontrer le grand Électrode, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais dans mon immense bonté, j'ai décidé de t'offrir une chance de prouver ta valeur. Pour ça. Quoi? Il suffit pour ça de venir à bout du plus imposant des obstacles, à savoir moi. Merci. La rage des monarques n'est rien d'autre qu'une faveur divine accordée par le grand Sinnoh. C'est en tout cas ce dont je suis convaincu. En laissant le monarque exprimer leur furie, que nous prouverons la fidélité du clan Diamant au grand Sinnoh. Ok. J'oserais même dire que si je suis venu au monde, c'est pour accomplir cet objectif. D'ailleurs, en quoi un électrode qui envoie des décharges au fin fond de la montagne concerne le groupe Galaxy? Suis plutôt mon conseil et rentre sagement chez toi. Voilà une opinion bien égoïste. Alors que les Pokémon enragés souffrent clairement que cette furie qui les habite. De cette furie qui les habite, pardon. Mais c'est à vous de choisir plutôt. Que voulez-vous faire? Je continue. Je ne vais pas rentrer. Par contre. Oui, je sais. Je me doute. Pour rencontrer Farfurex, il va falloir traverser la grotte des Égarés. Grotte Pokémon sombre, habitée par de nombreux Nosferatu. Ok. Mais par contre, il me faudrait des Pokémon. Cool. Non, attention, vous mettez les pieds. Ouais, il me faudrait des Pokémon Sol Roche. Du coup, pour Electrode. J'en ai, je crois que j'en ai, mais est-ce qu'après, c'est pas mieux d'en dresser des meilleurs? Je ne sais pas. On va rentrer. On va peut-être en trouver là-dedans. Ah, il y a Pierrot qui est de dos. C'est étrange, les torches censées éclairer la grotte ont disparu. Non, je ne veux pas, je connais la route. Qu'importe les ténèbres ou la météo, nous avancerons et arriverons en retard. Ok. Suivez-moi. Oui, ben. Oui, ben, j'arrive. Ah, je peux même pas utiliser mes Pokémon, mes souvenirs sont flous. Mais jadis, j'avais un partenaire qui m'est. T'es cher. Ah. Tu l'as tué, tu l'as mangé, c'est ça? Je me souviens de son nom, mais. Un Pokémon, il sent le feu. Ah. C'était à mes côtés, maintenant il aurait pu illuminer le chemin pour nous. Et sinon, tu sais, j'ai un Pokémon de feu. Hein. J'ai même deux. On en a réussi. Pokémon Baron sur notre droite, il s'agit d'un autre enfer. Temps normal, ça ne devrait pas freiner le train de notre progression. Malheureusement, dans cette obscurité, il me semble préférable de changer d'itinéraire. Non, mais sinon, je peux l'affronter, hein. Ressembler à qui? Et surtout, j'aime gagner, c'est ce que je préfère, disait-il parfois. Nous sommes sur le point d'atteindre le terminus de la grotte des Égarés. Ok. Je peux pas aller plus vite, hein. Je constate que certains souvenirs sont restés gravés dans mon cœur. Ok. Non, je m'éloigne, mais je peux pas aller plus vite, hein. Nous y sommes presque.
Allumons les torches au cas où d'autres personnes viendraient s'aventurer. Ok. Traversez les grottes égarées, continuez votre traversée. Ok. On voit pas grand chose, mais pourquoi pas. Tu vas faire un peu de feu, non, pour moi? Non, il veut pas. Décidément. On voit pas grand chose, hein. Ça, on s'en fout. Non! Moi, je dois aller là-bas. Bon, vous savez quoi? On va d'abord sortir. Tombé du ciel, c'est bien cela, le professeur Lavande qui me l'a appris. En ce qui me concerne, je me suis réveillé un beau jour dans cette région qui ne disait rien. La seule chose que je me souvenais, c'était de mon nom. Alors que j'étais comme pétrifié sur place sans savoir que faire, le clan Perle me secourut. Ah, c'est mon don pour préserver les Pokémon que j'ai pu devenir gardien. Cependant, je ne sais toujours pas qui je suis supposé accomplir dans ce que je suis supposé accomplir dans ce monde. Navré, je parle et j'oublie l'heure. Dépêchons-nous. Ouais. Mais par contre, des Pokémon en roche, bah y en a pas beaucoup, hein. Périlleuse ascension. Nouvelle mission. C'est quoi? C'est pour faire un. Pas un truc pour faire un... Non? Je sais pas. Je veux dire pour faire un petit bivouac, non? Mais il y a vraiment aucun Pokémon de type sol. Oui. Voilà, on va avancer tranquillement. Ah, va pas trop. Je fonce comme un fou. Ouais, pour l'instant, des Pokémon que je connais, hein. Rien de bien foufou. Bon, Scarino, en vrai, c'est cool. Mais d'où tu me vois déjà de loin comme ça? Bon, ok, d'accord, possible. Mais en vrai, quand même, quoi. Oh, mais Taras, je peux même pas avoir un Scarino tranquille, hein. Laissez-moi. Laisse-moi avoir un Scarino. Mais merde. Bon, il n'arriverait pas à être discret, évidemment. Donc il va être discret et tout. Un peu mal parti. Et je voulais avoir un Scarino, moi. Attendez, est-ce que vous pensez que je peux retourner, genre, là, comme ça? Putain, ils me voient tous, c'est con. Non, tu me vois pas. Bon, écoutez, vous savez quoi, ça? Pas perdre ma temps non plus.
Mais pas honte, pourtant, ranger ces torches, pourquoi vous avez-vous remis à leur place? J'agis avec courtoisie, et voilà comment vous me remerciez. Bah ouais. Comment de la courtoisie? Mais personne ne peut passer sans ces torches. Ah, on a beau être tous les deux gardiens, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Si je les éteins, c'est bien sûr pour les Pokémon qui adorent l'obscurité de cette grotte. Piétinez ma bienveillance. Et vous voudriez que je vous laisse rencontrer Electrode? Si j'ai pu me permettre, vous déraillez complètement. Vous voulez passer? Il faudra déjà réussir à me battre, à battre mon partenaire. Je vais gagner. Ah, Mouflair. Ok. Un petit lance-flamme, on va voir un peu. Oh, ça fait mal. Ah ouais, mais... C'est vrai qu'il est feu spectre. J'ai pas l'habitude hein, d'un Typhlosion qui est feu spectre. C'est pas grave. C'est vrai qu'il est feu spectre, ce con. Non, oui, mais c'est flat. Je verrai bien qu'il monte un peu en niveau. Allez, une bonne douche. Putain, c'est chaud quand même. Feu spectre. C'est vrai qu'il est feu spectre, ce con. Putain, eh bien... Ni moi ni Mouflair, là on a l'intention pas d'accepter cette défaite. Un peu attendre, il faut d'abord que je me soigne mon partenaire. Ok. Tu me soignes mon Pokémon toi ou pas? Eh non, il me soigne pas mon Pokémon. Ancienne carrière. Ah, j'ai l'impression qu'on va vers Electrode là. What? Mais laisse-moi tranquille. En plus, je peux même pas revenir en arrière parce que sinon. Bon, attendez. Aussi ancienne carrière. Ici que les pierres utilisées pour construire. Ok, je me demande si autrefois les êtres humains pourraient même travailler ensemble. Il s'agit de l'œuvre de Pokémon unique. Uniquement, pardon. En tout cas, nous pouvons profiter des pierres laissées pour cacher, nous cacher les Pokémon. Ouais, c'est vrai. Chamal. Ah. Lui. Monsieur Percupio, si je ne m'abuse, comment allez-vous? Très bien, mais si je suis là, c'est avant tout pour. Vous parlez de votre amnésie. Pensez-vous que votre perte de mémoire peut être due à la faille spatio-temporelle? Non. J'ai le sentiment que ce n'est pas lié, mais je n'ai pas la moindre idée d'où je viens. Je ne sais même pas si j'ai une famille. Vous auriez probablement plus de succès avec en interrogeant Filito. Je vois, mais j'espère que vous retrouverez la mémoire. Filito, te souviens-tu de ce qui s'est passé juste avant de tomber de la faille? Je vois. Je pense que ce qui se trouve de l'autre côté de la faille est à l'origine de ces étranges éclairs. Oh, je vois. D'après ce que j'ai compris, cette faille se serait déjà ouverte il y a fort longtemps. Elle aurait été nommée faille spatio-temporelle et ce nom aurait été transmis à travers les âges. Mais quel monde y a-t-il de l'autre côté de la faille? C'est qu'une supposition, mais je pense que c'est le royaume du Grand Sinnoh. Mais pourquoi la faille s'est-elle refermée jadis? Et pour quelle raison a-t-il décidé de la rouvrir? Et pourquoi Filito en est-il tombé? Tant de mystères à résoudre.
Cher Percupio, j'espère sincèrement que vous parviendrez à résoudre tous ces mystères. Cela apaiserait sans nul doute le cœur de tous ceux qui craignent la fureur des monarques. En ce qui me concerne, ma priorité est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. Ok. Au fond, je ne suis qu'un passionné de ruines. Pour les recherches, à proprement parler, je fais confiance à Fulito. Ok. Bon, j'aimerais trouver des Pokémon. Ne se trouve plus très loin. Ouais. Mais là, je peux pas l'affronter, machin, là. Je vais me faire défoncer. Je crois qu'il y a un Pokémon... Ah, quoique, après... Est-ce qu'il est trop... Je peux... Ouais, je peux peut-être le taper avec... Je sais pas. Ah merde, putain, c'est vrai que ça, elle est lourde en fait. C'est vrai. J'ai zappé cette histoire. Merde. Bah oui. Ah mais ils font chier. Bordel de zut. Waouh. Bon, vous savez quoi? Il y en a marre. Ok. Et voilà. Et voilà le travail. Bon. Y a pas un endroit où je peux... me poser, non? À mon avis, je pense qu'on pourra se poser quand même avant d'affronter Electrode. Parce que du coup, j'aimerais bien attraper des Pokémon, à des types sol. J'en ai peut-être... J'en ai peut-être en réserve, mais bon. Faut aller checker ça, quoi. Toi. Justement, tu me dis. Parti comme vous n'est-ce pas? Parfait. Attendez, je suis venu ici en vous dire qu'un bivouac allait être installé dans un avion. Apparemment, cet archéomir entrave les conduits du travaux. Il y a quelque chose. Ok. Et comprendre ce que cet archéomir. Il y a quelque chose là-bas. Un autre archéomir. Archéo. Hermire. Archéo. J'ai vu l'archéomir se précipiter soudainement dans cette direction donc. Oh non, ce pauvre archéomir est carrément blessé. Bah oui, c'est mieux. Ok, fallait juste les soigner. Très bien. Très dangereuse. Ok. Bon bah du coup on aura un bivouac. Voilà. Bah c'est bien.
Je me disais aussi, j'allais pas rester là. Sans rien, quoi. Il y a des trucs ici. Ou pas. Non. Pas de Pokémon. Nouveau. Ok, bon. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va affronter les Crodes la prochaine fois. Hein. À mon avis. À mon avis, je pense que ouais, parce que là, l'épisode est quand même assez long pour moi de mon côté. Donc, ouais, je pense que qu'on va faire ça. On va l'affronter la prochaine fois. Même si j'aurais bien aimé le faire aujourd'hui. J'ai pas envie de vous faire un épisode d'une heure et demie. je pense que vous aussi, vous avez pas envie de voir un épisode d'une heure et demie. Déjà là, je vais coter quand même pas mal. Ouais. Je vais coter quand même pas mal, donc. Bah écoute, on va s'arrêter là et puis on verra la prochaine fois. Je vais déjà parler à monsieur là, voilà. T'as capturé un Pokémon, oui. Il y a des Onyx et tout, il y a peut-être moyen de trouver des. Après, quoique. Que veux-tu faire maintenant? Continuer la recherche. Attendez, je vais faire rapido une sauvegarde. Je peux peut-être amorcer les dialogues sans devoir affronter Electrode, je crois, peut-être. En même temps, peut-être que sur le chemin. Parce qu'en fait, je voudrais voir s'il n'y a pas des Pokémon intéressants sur le chemin. Genre ici, il doit y avoir des trucs. Vous pensez certainement qu'il est impossible de gravir une falaise aussi abrupte, n'est-ce pas? Mais Farfurex, elle, est capable de l'escalader sans effort. Ah, mais on aura peut-être une nouvelle monture. Ah, c'est comme si elle possédait une sorte de capacité secrète. Qu'est-ce que je raconte? Il y a un tel à essuie. Bah si. Je m'avais que souvenir quelque chose que je ne peux nommer. Oui, bah escalade en fait. Je me demande quel genre de personne j'étais avant d'arriver à Issui. Du ciel, vous venez sûrement d'un autre monde, n'est-ce pas? Peut-être qu'en vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose. D'accord. Bah, si on peut avoir une nouvelle monture, ce serait cool, en vrai. Dans ce cas, match-upper, attention au départ. Il me fait penser à quelqu'un, mais je saurais plus dire qui. Y a pas un dresseur ou un champion d'arène qui lui ressemble, je sais plus. J'ai pas le bon Pokémon, mais c'est pas grave. Ça peut faire mal. Ah, ça va. Ça par contre. Non. Voilà. Évidemment. Je vais envoyer. Carninos. Je sais pas quel niveau il évolue. J'aimerais bien avoir un Arcanin. Non. Allez. J'y crois, tu peux le faire. Il y en a un autre. Scorvol. On va changer. Non. Ah oh, mais putain.
Juste parce que j'ai pas envie qu'il perde de l'expérience en fait. Il est où? Là. Il fait mal son Scorbol. On va tenter. Ah bah oui, il me tue. Scarvol, ça va être compliqué de le passer, hein. Bon bah en fait si. Mille bravo. Permis d'atteindre avec brio la gare de la victoire. Ah, la gare. Ça me parle. Un mec qui avec des trains, non? Je sais pas. Bien, il est temps d'invoquer Forfurex. Du coup, on aura une nouvelle monture. Alors, comme ça, on pourra cesser là-dessus. Bon, je vais quand même cuter hein, pour que vous ayez quand même. Même si, bon, on se voit quand même un long épisode. Après, vous n'avez pas eu d'épisode pendant 2 semaines, donc c'est pas trop grave. Oui, il est stylé. En blanc, comme ça. Phare. En fait, tous les Pokémon ont une forme différente hein, dans les jeux de Pokémon Arceus. Puis tout aussi Farfurex. Auriez-vous l'obligeance de faire entendre un Farfurex le son de votre flûte? Oui. Je sors ma flûte. Bah voilà, et on a une plaque. Je le regrette, mais je ne pourrais pas vous guider plus loin. Réussissez les falaises avec l'aide de Farfurex et apaisez le roi de la en haut de la montagne. Je m'en retourne à résister. Ok. Oui, escalader les falaises. Grimper, vous pouvez appuyer sur la proximité des falaises. Ok, et là-bas il y a du poké. Poké enragé, non? Ah, quoi que non. Je sais pas. D'accord. Donc là, genre là, du coup. Ah ouais. Ouh, c'est pas mal ça. On est d'accord que c'est plutôt pas mal. Ok. Bah écoutez. On va pouvoir se laisser là-dessus avec une belle petite vue, non? Hi, je peux faire vraiment plein de choses. Ouh, score plein. Ah mais en fait on contrôle Farfu. Ok. Bon. Bah écoutez, on va déjà, je vais quand même redescendre hein, parce que. Encore je descends? Oui, où je peux lâcher prise, non? Ah, je peux monter en haut des arbres, d'accord, ok. Ok. Bon, allez, on va redescendre. On va pas faire le fou. Ouais, là on va quand même. Peu dangereux. Allez, on va retourner au bivouac. Mais je peux, en fait, je peux y aller comme ça. Hein. Tout à l'heure, je me casse la tête.
Et puis ouais, bah du coup on continuera la prochaine fois. Au moins on a obtenu un nouveau une nouvelle monture, c'est cool. Allez, je me repose un petit moment. Et puis on se laisse là. J'imagine que... Non, il n'y a personne qui peut évoluer. Enfin, Kalinos ne peut pas encore évoluer. Ok, bon, on verra ça. La prochaine fois, du coup, on se laisse là. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, bah nous, bah, on se retrouve dans peut-être une semaine, je dirais, pour la suite. Allez, bye tout le monde.